Salut à tous, c'est Signal et bienvenue dans cette nouvelle vidéo miteuse. Et bien sûr que là, voilà, ça fait un mois que je suis pas revenu parce que voilà, ça fait un mois que j'ai pas allumé la play, hein, tout simplement. Et bah voilà, en fait, je suis parti en Belgique pour un aller-retour, hein, un aller-retour. Il n'a pas duré un mois cet aller-retour, hein, c'est juste, je suis revenu depuis bien longtemps, bien longtemps. Et voilà, là, je décide de faire une vidéo miteuse. Tout simplement, les gars, ça fait plaisir de vous avoir à nouveau. Maintenant, on va parler un peu du nouveau DLC. Le nouveau DLC, hein, San Andreas Mercenaires et tout. Alors, ce DLC, bah, il sera sur toutes les plateformes, hein, que vous soyez, hein, que vous sachiez. Sur PS4, PS5 et tout, etc. PS3, non, par contre, je crois qu'ils ont déjà arrêté les trucs sur. Sur PS3, mais bon, voilà, tout simplement. Et le DLC Mercenaires, par contre, il a pas l'air si ouf que ça, d'après ce que j'ai pu voir, parce que j'ai aujourd'hui il y a une bande-annonce qui est sortie. Maintenant, voilà, mais il a pas l'air si ouf que ça, hein, la vérité. Hein. DLC Mercenaires, je pense que c'est juste pour amuser un peu la galerie. C'est pas un joueur, ça? Non? Ok. Pas où il va exactement celui-là, mais bon, c'est pas grave. Alors le DLC Mercenaires, il m'inspire pas vraiment confiance. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est, on va pas se mentir, hein, les gars, hein, c'est voilà quoi. Par contre, il y a un truc bizarre avec ce DLC, c'est que ce DLC-là, il arrive le 13 juin. Le 13 juin. Alors qu'est-ce qu'il y a le 13 juin? Bah, il y a le DLC. Mais normalement. Il arrive toujours au mois de juillet, peut-être le 13 juillet ou comme ça, il arrive voilà, au mois de juillet, c'est tout à fait normal. Mais 13 juin, bah là, il sort carrément un mois à l'avance. Alors là, je sais. J'espère que c'est un possible teaser de GTA 6. Parce que GTA 6, peut-être ils ont décidé de sortir une bande-annonce très prochainement. D'ailleurs, même l'acteur qui joue. Jason dans GTA 6, ça met une story en fait avec Lucia dans un bar un peu avec les couleurs de GTA 6. Bah écoutez, alors peut-être que ça annonce un GTA 6 dans pas très longtemps. Oula, bah celui-là, écoute, je vais peut-être le faire ou pas? Je vais le faire ou pas? Je pourrais le faire. Tant qu'il y a un peu de thune. Je suis pas sûr que je pourrais traverser par là. Allez, je vais quand même tester. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Allez, gros! Comme je vous avais dit, un possible teaser de GTA 6. Ah putain, je savais même pas qu'il y avait une chute d'eau ici. Oh, j'apprends tous les jours, hein, la vérité, on va pas se mentir. Hein. Bon, les gars, comme je vous avais dit, hein, voilà. Il arrive un mois à l'avance et il y aura quelques nouveautés, hein. Par exemple, on pourra customiser un peu plus l'Avenger. L'Avenger, on pourra mettre des mitraillettes et tout, ça a l'air plutôt pas mal de chez pas mal. Je vais d'abord régler le problème, enfin ce truc là. Y a toujours des trucs, hein, des événements pendant que je parle et tout, mais bon, voilà. C'est pas grave. Alors, ouais, d'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne, hein, c'est pas déjà fait, hein. C'est mieux. Ah, je le vois, il s'est activé là-bas. Vous savez ce que je veux faire? Véhicule imposant. Putain, à part ça, je me souviens de tout encore. Avant que la traînée disparaisse. Voilà, bon, alors, c'est où la prochaine? Ouf, ah ouais, c'est encore un truc à déterrer, je suppose.
Oh, le truc, il est loin. Hein. Bon, alors, comme je disais, par rapport au nouveau DLC, bon, il y aura certains trucs, il y aura un nouvel Hydra, mais franchement, ce nouvel Hydra, bah, il est tout petit. Mais bon, franchement, des nouveaux Hydras, bah voilà, c'est un nouveau véhicule rapide, alors ça, d'un côté, c'est bien, c'est intéressant. Pour moi, ça ne l'est pas trop. Il y a encore une traînée ou pas? Ou c'était celle-ci? Ah, il est là-bas, d'accord. Je laisse ça là. Et je vais chercher le jeune. Ah, je le vois, il est là-bas au fond. Cache contrebande, récupérer, ok, pas de soucis. Bon, voilà le nouveau DLC, hein. Mais franchement, pour moi, il a pas l'air si top que ça, hein, la vérité, on va pas se mentir. Il y aura quelques nouveautés, en plus des améliorations qui n'ont pas forcément à voir avec le DLC, hein. Par exemple, maintenant, quand on appelle la mutuelle, on pourra récupérer tous les véhicules en même temps, pas faire un par un. Bah, ça, ouais, c'est bien, on va pas se mentir, c'est bien. Et voilà, là je pense qu'ils corrigent vraiment pas les derniers bugs, mais les derniers défauts de GTA V avant de nous présenter un GTA VI. Je l'espère, bah ça franchement c'est très cool, hein, la vérité. Présenter un GTA VI, ça serait top. Bah alors là, voilà, hein, tout simplement. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser un petit like, moi je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo biteuse.